Je lance la vidéo pour que vous puissiez retrouver ce cours après. Donc aujourd'hui, on parle des modes en musique irlandaise. Alors on va parler des quatre modes les plus courants. Ça arrive parfois qu'il y ait des petites anomalies, des petites choses qui viennent d'ailleurs, mais on va dire que ceux-là, c'est vraiment les plus courants. Et c'est ceux qu'on va retrouver dans les chansons qu'on fait. Et sur ces quatre modes, il y en a deux que vous connaissez très bien, puisque ce sont les modes avec lesquels vous faites toute la chanson française, tout le rock, enfin une grande partie de la musique de notre contemporanéité. D'accord? Et il y en a deux qui sont un petit peu plus inhabituels et assez typiques de l'irlandais. Alors pour ça, on va utiliser notre petit bourdon. Et notre note de départ, ça sera une note qui va tout bien pour toutes les voix féminines. Que vous pouvez chanter tout le temps. C'est ce qu'on va appeler le 1. A, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Et entre 1 et 2, on a mis un ton. 1, 2. Vous entendez bien que le 2, il frotte un peu, hein. 1, 2. Et entre 1 et 2, nous avons donc deux demi-tons. Sur mon échelle de droite, j'ai dessiné tous les demi-tons qui constituent les musiques occidentales. Dans les musiques occidentales, on va dire l'ouest de l'Europe, et puis ensuite une bonne partie des musiques du continent américain, on n'utilise que 12 demi-tons. Dès que vous franchissez la barrière des Balkans vers l'est, les gammes, elles s'enrichissent, elles deviennent très complexes, jusqu'à l'Inde, où elles sont a priori les plus complexes sur la planète. D'accord? Donc on reste confiné dans notre petite Europe de l'ouest, ok? 1, 2, 3. Et entre 2 et 3, j'ai encore remis un ton. Ce qui veut dire que 1, 2, 2, 3. J'ai ce qu'on appelle une tierce majeure. Ça veut dire que le mode que je suis en train de vous chanter, il va être forcément majeur. Ta 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 ta. C'est celui que vous trouvez par exemple dans Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Au clair de la lune, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1. Donc, quand vous cherchez à retenir, à retrouver une tierce majeure, pensez Au clair de la lune. Ça marche? Vous voulez réessayer, on chante ensemble? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et vous avez vu peut-être déjà que sur mon dessin, j'ai déjà placé le 5. Pourquoi? Parce que dans tous les modes traditionnels européens, le 5, il est toujours à la même place. Et pourquoi? C'est une question d'harmonique des matériaux. Ça fera l'objet d'un autre cours, on va pas le démontrer aujourd'hui, je vous le démontrerai un autre jour. Mais par contre, prenez-le pour argent comptant, faites-moi confiance, la quinte juste ou naturelle, elle est toujours au même endroit, elle est toujours là. Il y a quelques rares musiques dans laquelle la quinte est un demi-ton en dessous, on appelle ça une quinte diminuée, en particulier dans des vagues dans l'histoire du jazz, on utilise beaucoup la quinte diminuée dans le jazz. Mais on est d'accord que ça n'a rien à voir avec ce qui nous occupe aujourd'hui. D'accord? Donc notre quinte, elle va toujours être là, quels que soient les modes qu'on va utiliser, et on va la poser. Voilà. Alors, moi, la mienne, elle est en bas, parce que je n'ai qu'un clavier d'une octave. Mais normalement, je ne sais pas si vous voyez, mais elle serait quelque part par là, au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Papa, papa, papa. Ça vous rappelle quelque chose? Quand vous cherchez la quinte au-dessus du 1, le 5 au-dessus du 1, vous chantez Kaamelott. Papa, papa, papa. Ah, il ne nous reste plus qu'à trouver un 4. D'accord? Et dans les 4 modes irlandais qui nous intéressent, 4 est toujours au même endroit. Elle est là.
elle est un demi-ton au-dessus de 3. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque un demi-ton là que j'ai pas dessiné, mais on s'en fout. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça, c'est le mode majeur standard. D'accord ? Je vous ai pas encore chanté le haut, parce que pour le haut, on va avoir deux choix en irlandais. D'accord ? Donc le bas de la gamme. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Une tierce majeure, une quinte au bon endroit. Rien de bizarre. C'est toujours au clair de la lune. Ok ? Alors maintenant, on va monter un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. En fait, j'ai fait un gros bug dans mon dessin. J'ai pas mis 5 au bon endroit tout à l'heure. Alors, vous me donnez une seconde et je refais. Vive l'eau. Vive l'eau. Ça, c'est 5, 6, 7 et 8. Alors ça, ça va être le premier mode majeur, le plus courant, celui que vous avez dans une bonne partie de la chanson française, qu'elle soit traditionnelle ou d'aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a un ton entre 5 et 6. 5, 6, 7. On a toujours un ton entre 6 et 7. Et 7 est au ras de 8. 7, 8. On a un demi-ton entre 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 5, 1. C'est le 5 vers le dessous. 1, c'est le ding-dang-dong de Frère Jacques. Frère Jacques aussi, c'est une tierce majeure. Frère Jacques, 1, 2, 3, au clair de la lune. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Maintenant, en changeant la place d'une seule note, on va changer de mode. Et on va changer la place de 7. Et 7, on va le mettre un ton en dessous de 8. Ça veut dire qu'il est un demi-ton au-dessus de 6. Et ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous entendez le grand saut qu'il y a entre 7 et 8 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous sentez comme ce mode, surtout quand on redescend, il devient triste. Un peu. Pas complètement, parce qu'on a toujours notre tierce majeure en bas de l'échelle, mais en haut de l'échelle, on a changé de caractère. D'accord ? Et ce mode, vous allez le trouver beaucoup, 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 beaucoup dans les chansons. Parce qu'il est un peu ambigu, il n'est pas tout à fait majeur, il n'est pas tout à fait mineur. On le rechante ensemble ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pa 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 je me suis plantée, je recommence. Ah.
Ta-da-da, au clair de la lune, notre tierce, elle est bien majeure en redescendant. Ok, coupez bien vos micros si vous venez d'arriver. Ok, alors maintenant, on va passer à un autre mode encore. Ça, c'était le mode mixolydien. Oui, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, il s'appelle mixolydien. C'est une antiquité dans l'histoire de la musique et on ne peut pas s'en défaire. On l'appelle aussi mode de sol, parce que si vous prenez un clavier de piano et que vous démarrez de la touche sol et que vous ne jouez que les touches blanches, vous aurez ce mode-là. Mais c'est confusant parce que on utilise le nom d'une note qui se réfère à un instrument, d'accord, qui est normé et tardif dans sa fabrication, alors que ces modes existaient bien avant. Tout ça pour faire un moyen mnémotechnique qui en fait nous confuse, puisque ça nous confuse avec une éventuelle tonalité. Là, le 1, aujourd'hui, pour nous, filles des années 2020, c'est un La. Le 1, c'est un La. Mais ça pourrait être n'importe quoi. D'accord ? C'est vraiment une histoire d'échelle et de rapport. Alors, on va garder notre septième, qui est en bas, et on va changer la tierce. Et notre tierce, on va la mettre mineure, cette fois-ci. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, vous entendez comme c'est triste ce 3. 1, 2, 3, 2, 1. En tombant, c'est cassé le bras. Tire, lire, lire. En tombant, c'est cassé le bras. Tire, lire, là. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, il change pas de place du tout. 1, 2, c'est un ton, 2, 3, c'est un demi-ton, 3, 4, et bien maintenant c'est un ton, puisqu'on a bougé le 3 vers le bas. 4, 5, 5 n'a pas changé de place. 5, 6, 7, 1, 8. 1, 2, 3. 2, 1. Vous entendez comme c'est triste? Ouh, c'est super triste. Et ça, c'est le mode dorien. C'est le dorien qui est un mode mineur extrêmement utilisé en musique irlandaise. Et il a cette particularité d'avoir entre le 5 et le 6 un ton entier qui lui donne vraiment son caractère. Vous allez le réécouter, vous allez le chanter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pa, 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 pa. Non, faut couper vos micros parce que sinon je vous entends chanter dans mon casque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bien sûr, un des exercices que vous pouvez faire, c'est d'essayer, dans votre coin, dans la semaine, prendre chacune des chansons qu'on a pour l'instant abordées dans le répertoire et essayer de trouver le 1. C'est pas compliqué, le 1, c'est la note de bourdon, c'est la note sur laquelle vous pouvez quasiment chanter tout le texte à plat, tout le long, avec la voix lead, et qui va constituer une forme de seconde voix très très plate, mais qui marche quasiment sur tout, puisqu'il va frotter essentiellement avec le 2 et avec le 7, un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Et si vous arrivez à réécouter tout ça et à employer nos chansons en vous disant « c'est tel mode », c'est là où vous allez sentir que y a des notes qui sont plus sensibles que d'autres. Dans les modes mineurs, il y a cette tierce qui donne de la tristesse et il y a cette tierce qui donne, dans les modes majeurs, au contraire, de la gaieté.
Pourquoi? Parce que la tierce naturelle dans la nature, je reviens à mon sujet sur les harmoniques, la tierce naturelle dans la nature, elle est pile entre les deux. Enfin, elle est quelque part entre la tierce mineure et la tierce majeure. Et donc l'humanité, dans son ensemble, a fait un choix de qualifier les sons qu'elle fabrique en opposition avec les sons naturels, et en relation avec notre oreille, pour dire, ah non, on fait un choix, soit c'est majeur, soit c'est mineur. D'accord? Bref, ça sera le sujet d'un autre cours. Et on va aborder notre quatrième et dernier mode. Cette fois-ci, je ramène le 6 vers le bas, un demi-ton juste au-dessus du 5, et je vais tomber sur ce qu'on appelle le mode mineur naturel européen, qui va vous être très familier parce que vous l'avez beaucoup entendu probablement. Allez, c'est parti! Je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je descends. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pa, 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 pa. Vous entendez comme elle est triste, cette sixto, là, elle tape, hein. Pa, 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 pa. Je remonte le mode dorien pour que vous entendiez la différence. Pa 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 Et 7 et 8 dans ce mode, c'est comme un soulagement d'arriver quelque part. Moi, je me donne toujours l'image d'être en train d'escalader une falaise et que sur la marche numéro 6, j'ai failli me casser la gueule et ah, 7 et 8, c'est l'arrivée quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se le fait avec des ornements? Voilà, maintenant c'est à vous. Je peux vous laisser un petit moment avec l'image et le bourdon pour que vous puissiez essayer chaque mode en le chantant. Je vais prendre une craie d'une autre couleur pour vous noter les alternatives au mode qu'on a vu. Je vais repas, je laisse sur mon écran le mode, donc le mineur. Hein. Après, je ne vous donne pas forcément les noms savants, je vous enverrai ça dans un papier. Mais ça, c'est le ionien, ça. Non, c'est l'éolien. Enfin bon, on s'en fout. C'est le mineur naturel européen, médiéval, voilà. Alors, celui-ci, donc, il a une tierce mineure. Vous avez, dans les deux modes majeurs, donc, l'éolien et le mixolydien, une tierce majeure. Et vous avez la septième majeure, pour le tout premier qu'on a vu. Et la septième-là, elle est mineure. Et puis l'autre mode qui change, c'est le dorien avec sa sixte qui est augmentée ou majeure, comme vous voulez. Eh ben, je vous donne du bourdon et je vous mets 5 minutes sans ma face, c'est pas la peine. Pour chanter, à vous!